le bonjour à tous. Il a plu hier, regardez, ça a déjà séché, c'est l'enfer. Regardez-moi comment c'est beau ça les amis. C'est dingue. Là c'est drôle parce qu'on a deux mecs avec des motos récentes. Genre ça c'est une 2019 je crois, 2022 avec les démarreurs. Et eux ils ont des motos de 2004 sans démarreur. Mais ça marche tout aussi bien. Je me rappelle celle-là, on s'était tiré la bourre dedans. On l'avait fait en montée bien sûr. Et c'était bien drôle. Ils ont beaucoup de chemin en dévers, c'est l'enfer. En fait vous voyez c'est tous des petits cailloux roulants, regardez. Ah, je déteste. Voilà. Ça monte quand il y a une ornière comme ça, je m'y cale en général. Wow, là, t'arrives avec un peu trop de confiance, tu finis en bas. Oh, cette poussière. Il a plu hier, les gars. On est en décembre, j'allais dire en novembre. Ça te démonte les bras, ces montées là. Je fais que chasser de derrière. Putain, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est l'enfer. J'arrive pas. Oh. J'ai aucune idée ce que c'est. Oh, 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 oh. Oh, les mains, c'est l'enfer. En fait, c'est. Je dirais pas, c'est comme avoir un VTT. Vous savez, sans les suspensions là, mais je vous jure qu'il y a une certain degré de comparaison parce que ma fourche elle bouge quasiment pas là dedans. C'est pour ça que j'aime bien les yams, parce que t'arrives à avoir de la douceur mais ça tape pas en cross quoi. Alors que j'ai juste l'impression que les WP c'est dur d'avoir un compromis. Ça me fait sauter de partout en fait. Par contre, dès que j'ai un peu de vitesse, c'est le top, même dans les cailloux, parce que ça file plutôt droit. Mais sinon, c'est dur quoi. Ah, FedEx là. Si je peux avoir une petite prépa OTS, ah, ce serait le top. Oh, les Kayaba usine. J'en rêve la nuit, je vous jure. C'est incroyable. Pour les avoir testé sur une Sherco et sur la YAM officielle, c'est incroyable, vous n'avez pas idée, c'est juste dingue la différence que ça te fait. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué ici, c'est que vraiment, ils kiffent de ouf les grosses cylindrées. Genre, c'est hyper rare de croiser un mec en 2,5, 4 temps ou en 125. En général, c'est vraiment que les gosses. Mais genre c'est vraiment un truc de ouf. Je crois même pas avoir roulé avec un mec qui a une 125 déjà. Ou à 2,5. Ah si, j'ai roulé avec un mec qui a une 2,5, mais c'était vraiment sa première moto tu vois. Et après bien sûr t'as les mecs qui roulent en championnat en 2,5 forcément. Mais beaucoup ont des gros en fait, 2,5 de temps, 300, 350, 450. Mais c'est quasiment que de ça en fait. Et ouais je sais pas pourquoi. Ici un 450 mais ça se vend nickel. Alors qu'en France, ouais y'a pas grand monde qui roule en 450. Ouais, c'est. Dans un sens, c'est passionnant parce que des fois, tu vois des débutants sur des 450. Mais vraiment débutants, tu vois, pas moi. Moi, je suis débutant de niveau, tu vois, mais ça va, maintenant j'ai quelques réflexes en moto. Mais des fois, tu vois des débutants sur des 4,5, mon pauvre. Ils te mettent de ces coups de. Des coups de savate, mon pauvre. En terrain cross, ça sort du virage. Ils
s'envolent les types. Là c'est dangereux hein. On s'entend à 4,5, tu mets un peu trop de gaz. En cross, par l'avant, par l'arrière. C'est pas forcément le meilleur choix pour commencer. Là c'est trop bizarre. C'est la première fois que je fais de la route, quasiment. En plein milieu d'une balade. Parce qu'on n'a jamais pris la route au milieu d'une balade. Tu vas prendre toujours pour aller de la maison au chemin. Mais ouais, c'est plutôt cocasse. En vrai, c'est hyper déplaisant ce genre de chemin. Je vais rentrer en Auvergne dans pas longtemps. Enfin, sûrement ce sera déjà fait quand je vous verrai cette vidéo. Je rentre le 13 décembre jusqu'à début janvier. Faire un petit tour par Toulouse aussi. Et j'aurai pas la chance de rouler puisque j'ai plus ma moto. Mais putain, j'aurais trop aimé reprendre les chemins en France et. Ah! Et voir la différence. Putain, j'ai pas mis de pare-pierre, je l'ai oublié. Waouh, ça m'a fouetté là. Oh, mais genre vraiment. Aïe 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 aïe. Ça, tu vois, c'est mieux. C'est moins des rochers roulants. Je crains beaucoup moins, bizarrement. Bon, là. Ma foi. Allez, nous, on n'a pas peur, nous. C'est vrai qu'un de temps ici ça doit pas être trop mal. Ouais, je vais éviter de péter ma moto. Bon par contre, j'avais pas de protège-main ni de pare-pierre. Donc tout ce qui fouette là, ça peut être à tout moment des cactus et du coup. On mettra pas le pied, c'est mort. Ah si, on l'a mis. On l'a mis. Oh, mais il bombarde ça, je vous jure, c'est un truc de ouf, faut vraiment le suivre lui. En fait il est hyper smooth, il rate jamais un virage. S'il est rapide, mais après c'est pas une fusée non plus, ouais, normal, il est âgé. Mais en fait il rate jamais un seul virage, genre vraiment. C'est abusé. Ah ouais, je me rappelle de ça. J'avais passé ici une fois. Ah, le 300, c'est le top. T'as l'impression qu'il change jamais de vitesse. Un truc de ouf. Tu me diras, on reste souvent en 2 ou en 3, hein, mais c'est grave.
c'est quand même drôle. Eux, ça se trouve, il reste qu'en 3 en fait. Bon, on a la chance que ça accroche, parce que là, en Auvergne, ça, tu peux avoir des descentes comme ça rocailleuses, mais... Oh. Oula, celle-là. Oh non, ça va. Oh, oh. C'est vrai qu'il y a du grip, hein. Tu fais ça en Auvergne là, quand c'est humide, tu vas nulle part. Ou plutôt dans le ravin. Je suis en train de me rendre compte, c'est méga paradoxal parce que je me suis toujours plein les suspensions des KTM Enduro. Mais c'est vrai que si tu fais que ça, genre tu fais jamais de spécial ou quoi, ah bah c'est le top. Hein. Mais ouais, faut que faire du technique quoi.